Une matinée sur les bords de l'étang des Landes à observer la faune, quoi de mieux pour profiter du printemps qui s'installe? Pendant les vacances de Pâques, la réserve naturelle propose des animations pour les grands et les petits, dont cette balade à la découverte des oiseaux. On a énormément d'espèces d'oiseaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les oiseaux, ils vont évoluer tout au long de l'année. Donc ce ne sera jamais les mêmes, mais on a toujours une richesse assez exceptionnelle d'oiseaux ici. Et puis finalement, c'est un peu le seul site classé de la Creuse. De la Creuse, mais aussi des trois départements du Limousin, l'étang des Landes est un site unique où se réunissent au cours de l'année 40% des espèces d'oiseaux observables en France. Un lieu idéal pour un bain de nature. C'est super, je trouve ça très agréable cette visite et ouais, c'est chouette de découvrir et en ayant quelqu'un qui peut répondre à toutes les questions qu'on a. On est là pour les vacances de Pâques et c'était l'occasion de montrer aux enfants les oiseaux, la réserve et de les sensibiliser à la nature. On a trouvé quoi, Linoa? On a trouvé plein de grenouilles? Oui, tu as vu des grenouilles et des oiseaux? Voilà, comme ça elle pourra raconter quand elle rentrera à l'école. Les rendez-vous de la nature sont organisés depuis plus de 10 ans par la réserve naturelle et proposent des activités gratuites à la découverte de sa faune et de sa flore. Au programme, ateliers pour enfants et pistage d'animaux sauvages, entre autres. On organise pas mal d'animations sur les périodes des vacances scolaires, donc les petites vacances à partir d'avril, sur la période juillet-août et également sur les vacances de la Toussaint. Ça permet aussi de sensibiliser en fait le public à la sensibilité en fait de ces espaces, ces fragilités. L'occasion parfaite de découvrir en famille le plus grand étang naturel en Limousin, et la faune exceptionnelle qu'il abrite.